Hey, salut tout le monde, nous voici arrivés aujourd'hui au 27e épisode du Let's Play de Monster Hunter 3 Ultimate. Alors, dans la vidéo précédente, on a fait la quête urgente pour passer aux quêtes de niveau 6 étoiles. Et on a initié les quêtes de 7 étoiles avec un Barod de Jade. Alors, comme je vous ai dit, en fait, vraiment, les quêtes sont inintéressantes hein, globalement. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Vous pouvez voir qu'il n'y a que 2 pages et donc le reste, je l'ai fait hors ligne. Volvidon, Gobul, la Gombi et Grand Baggy. Et puis là, un duo Barod de Jade et Giginox que j'ai fait donc hors ligne histoire de pas, pas faire des quêtes pour montrer des monstres que j'ai déjà fait avant. Et donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur 2 quêtes, sur le coup de foudre avec le Giginox foudroyant. Et les cornes ornementales, enfin, ce sera la petite quête de fin, histoire de se détendre après une quête endiablée. Et comme je l'avais dit, donc dans la prochaine vidéo, donc dans la 28, on se fera le Gen Moran. Alors, une petite parenthèse, comme bien souvent, enfin comme de temps en temps, pour réagir à ce que vous dites. Certaines personnes m'ont demandé de faire des quêtes multijoueurs. C'est prévu, je crois que j'en ai d'ailleurs parlé déjà, j'ai déjà dit que je ferai des quêtes multijoueurs. Pour l'instant, je peux pas en faire, au moment où j'enregistre, je peux pas vraiment en faire. Enfin, c'est pas que je peux pas en faire, mais disons que j'attends de pouvoir organiser ça, on va dire, voilà, avec les potes, histoire de gérer qu'est-ce qu'on va faire comme quête, etc., 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 etc. Donc pour l'instant j'en fais pas, néanmoins pour ceux qui veulent voir des quêtes online, n'oubliez pas que j'ai ma chaîne Twitch pour faire des lives. Je fais très régulièrement des lives sur Monster Hunter, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description, la chaîne Twitch, vous pouvez vous y abonner, comme ça vous saurez quand est-ce que je lance un live. Ou éventuellement à mes 2 réseaux sociaux, Twitter ou Facebook, pour savoir quand je fais justement des lives. Alors... pour cette quête, pour le Giginox se foudroyant, j'ai choisi d'utiliser encore les doubles lames. J'ai envie d'y aller quand même avec des armes que j'utilise très régulièrement et que j'aime bien. Cette fois-ci, c'est les doubles lames de Céadus qui s'appellent les lames Neptune, pardon, bordel, je galère. Alors, c'est pas des armes OP, hein, elles sont vraiment faites à partir du Céadus et elles sont pas améliorées du tout. Donc voilà, elles sont vraiment telles quelles. Ce sont des lames d'eau. Et donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à raconter. Si ce n'est mon armure, c'est la même que dans la quête précédente. Je vais remontrer rapidement les talents sans non plus les détailler. Donc j'ai œil critique plus 3, bouche-oreille, œil de l'esprit, pardon, et récup stamina. Voilà, pour ce qui est de mon stuff. Pour le Giginox foudroyant, il n'y a pas d'objet en particulier à ramener, si ce n'est des bessoins, puisqu'il est, capable de nous infliger le fléau de foudre. Et puis voilà, tout simplement. Allez, donc on est parti pour coup de foudre. Donc le Giginox foudroyant est bien évidemment la sous-espèce du Giginox normal. C'est lui aussi donc un wyvern volant, qui est également dans la toundra, comme vous pouvez voir. Comme vous pouvez le voir aussi, j'ai pas mangé, mais ça c'est pas grave, ça devrait passer. Et puis comme son nom l'indique, lui il envoie pas du poison, mais il envoie des boules de foudre. Voilà, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Des boules de foudre et qui ont la capacité de nous paralyser notamment. Donc il va falloir être vigilant. Comme vous pouvez évidemment le deviner. Comme j'ai pris une arme d'eau, eh bien oui, son point le plus sensible, enfin sa sensibilité élémentaire la plus élevée, est face à l'eau. Et sa deuxième sensibilité élémentaire la plus élevée, c'est face au dragon. Donc c'est vrai que, par exemple, quand on vient d'arriver à ce stade du jeu, on n'a pas vraiment de quoi faire des armes de dragon, si ce n'est si on a déjà fait le Gen Moran, hein, pourquoi pas. Mais donc voilà. Alors, vous voyez qu'il est, celui-là, il est jaune, il est pas vert bizarre, contrairement au Giginox. Putain, j'ai l'impression qu'il gueule super fort. Alors, comme son homologue de poison, celui-là gueule beaucoup. Donc, c'est très utile d'avoir bouchon d'oreille. Si jamais vous pouvez vous faire une armure avec ça, c'est vraiment le pied, comme diraient les jeunes des années 70. Hop.
Alors, ses points les plus sensibles aux armes tranchantes, c'est le ventre. Comme Giginox normal. Vous avez vu que là, j'ai déjà pété ces espèces de membranes qu'il a sur le ventre. Et après, sinon, comme d'habitude aussi, c'est alors la tête quand il est normal, et le cul lorsqu'il est énervé. Waouh! Est-ce que je peux passer, s'il vous plaît? Ah non! Laissez-moi passer. Waouh! Alors voilà, donc lui, quand il est pas content, il balance des boules de foudre. Alors je sais pas si on va le voir. En faire là de plus loin, histoire de vous expliquer comment bien esquiver ses attaques. Alors cette attaque là est toujours chiante. Ça, c'est quand il vous saute dessus et il vous aspire. Alors là, il balance, regarde. Oh merde, purée. Bah, je voulais expliquer comment l'esquiver, mais ce qu'il y a, c'est que je me suis laissé un peu surprendre. Bon, c'est vrai que là, la distance était un peu courte. En gros, quand il balance ses triples boules comme ça, c'est pas trop difficile à esquiver. Il suffit simplement de faire un petit écart. Alors regardez, est-ce que tu peux me balancer des boules, s'il te plaît, pour la démonstration? Non, on fait une démonstration là, s'il te plaît, Guigui. Je vais t'appeler Guigui. Hop, on va lui mettre quelques coups de temps en temps quand même, mais je crois qu'il est en train de prendre cher quand même. Alors voilà, là il fait le saut où il est censé me bouffer. Non, il veut pas. Ah, il veut pas. Hein. Ah, ça veut pas. Ouais, il est pas content en plus. Ouais. Alors quand il fait cette attaque là, ça a une assez longue portée. Donc faut faire assez gaffe, et ça nous paralyse aussi. Et généralement il nous fait ça et ensuite il nous saute dessus. Et c'est la merde. Ah mais Chacha, mais tu t'es pris la boule, pousse-toi de là. Regardez comment il est paralysé comme un con en plus, Chacha. Hop. Alors regardez, boule de machin, hop. Et là, juste un petit écart. En fait, il faut faire un tout petit écart à partir du moment où on la voit se poser sur le sol. Quand elle se pose sur le sol, en fait, elle se sépare en trois parties. Et il suffit juste de faire un petit écart sur la droite et normalement, on doit passer entre... Enfin, chaque boule va passer à côté de nous. Et on est tranquille. Alors sinon, je sais pas s'il l'a fait depuis tout à l'heure, je me rappelle plus, là, j'ai pas fait attention. Mais il peut aussi chier des boules d'électricité. Il me semble qu'il l'a fait. Chier des boules d'électricité qui explosent au bout d'un moment, au même titre que le Giginox normal qui chie des boules de poison. Voilà, regardez, là il va chier voilà, une boule de foudre. Alors regardez, je vais me la prendre histoire de rire. Ah merde, je vais crever. Le mec il rigole plus tout d'un coup. Hein. Oh. Voilà, hop, c'est mieux comme ça. Bon, j'ai failli crever mine de rien. Mais c'est pas grave, c'était pour la démonstration. Waouh! Alors vous voyez que ça a quand même une longue portée. Parce que mine de rien, j'étais pas vraiment à côté. Hein. Alors, où tu vas? Bon, il boite pas encore, il est encore plutôt bien, je pense. Mais il change simplement de zone. Vraiment, c'est pas des armes vraiment OP, c'est juste que c'est sa sensibilité. Elles sont vraiment de son niveau. Mais par contre, c'est vrai que bon, mon armure avec les 30% d'affinité. Elles aident quand même à faire un peu plus de dégâts. Waouh, ça j'ai pas eu me faire avoir mine de rien là. Alors sinon celui-là, il peut aussi se faire attraper les pièges, hein, les pièges chocs ou les pièges... Oh, what shot ? Putain, ça avait déjà pété depuis 5 minutes quoi. Attends, encore eux que je me suis pas fait avoir là. Enlève-toi, Yui-chan ! Hop. Et voilà, on consommait un petit truc là, histoire de se mettre bien. Je vais lui attaquer la face parce que c'est le point le plus sensible, je le rappelle, lorsqu'il n'est pas énervé. Là voilà, là il est énervé, donc maintenant c'est le cucu. Et je vais voir le cucu s'il vous plaît. Oh, je vais péter son cucu. Il a pas aimé. Ah! Non! Ouhou. Alors les bombes de boost ça marche hein, si jamais vous faites attraper par sa grosse bouche. Elles sont plutôt classe ces doubles lames, hein. Franchement, les armes de Syracuse, généralement, elles sont plutôt belles, mais alors celle-là, je trouve assez sympatoche. Hop. Ah merde. Oh purée, je suis trop con en plus. Putain, j'ai voulu m'enfuir, mais il était déjà trop tard. Hop, voilà, restez bien loin. Ça sert à rien de prendre le risque d'aller se
se faire paralyser. Alors regardez, il peut même paralyser ses gigis. Regardez, lui par terre, là, il est complètement en mode GG mental. Hop. Wouhou. Là, je regardais pas où est-ce qu'il était, mais j'aurais pu me prendre une boule bêtement. Hop. Ah oui, elle est belle celle-là. Hop. Ah, il vite le ventre. Ah oui, là, c'était bien bien placé. Alors, par contre, c'est un... Ah merde. Bon, je voulais faire un truc, c'était aiguisé, mais... On prend ça après. Parce que là, faut profiter du fait qu'il soit par terre. Ah, et là, il est fatigué. Je lui ai mis... J'ai lui mis son compte, hein. Je t'ai mis ton compte, mon salaud. Ah, il peut plus cracher de boule. Ça, effectivement, comme le Giginox normal, il me semble, quand il est fatigué, il crache plus de boule. Enfin, en tout cas, comme pas mal de monstres. Lorsqu'ils sont fatigués, ils crachent plus de je ne sais quoi. Comme l'Agnactor, par exemple, qui ne fait plus son rayon de feu. Enfin, bref, comme tous ces monstres là, par contre, il peut toujours faire caca. Hein. Ça, a priori, la fatigue n'a jamais empêché de faire caca. Enfin, en tout cas, preuve du contraire. Moi, perso, j'ai jamais dit, oh, j'ai la flemme d'aller chier. Voilà. Bon. Vous voyez qu'il a pris quand même assez cher. Mais encore une fois, c'est surtout grâce à l'armure et les 30% d'affinité que je lui ai vraiment fait mal. Mais sinon, l'épée là, enfin, la double lame n'est pas très très puissante pour ce niveau. Elle est vraiment faite à partir du Céadus et c'est tout. Alors où est-ce qu'il est? Alors, il y a un truc assez chiant avec les Giginox, ça vous est peut-être déjà arrivé. Parfois ils changent de zone, et en fait ils mettent 1000 ans pour changer de zone. Donc du coup on cherche comme des cons. Et on sait pas où est-ce qu'ils sont partis. Alors il est peut-être parti là. Ah c'est peut-être ça, ouais. Il est peut-être parti là-bas. Alors juste avant de changer de zone, j'ai quand même bouffé un truc. Ah merde. Ok. Voilà, il est là. Ouais, il est même en train de boitiller. Viens là, viens là. Je sais pas s'il va manger. Ah. Regardez, il va manger. Qu'est-ce que tu manges? Alors là, c'est pareil, je vois pas trop ce qu'il mange. Un peu comme le barotte de Jade la dernière fois. Bon, sauf que là, on voit rien du tout. Allez, c'est le moment d'en finir, là. This is it. Michael Jackson's This is it. Waouh, putain, c'est pas passé loin, ça. Waouh. Oh, GG. Là, j'ai... Oh non. Bon, pas facile, mine de rien, de passer entre les boules, quand même. Même si, voilà, la technique, c'est simplement d'essayer de passer entre deux. Ça rien d'essayer d'esquiver trop loin. Et c'est juste là. C'était assez étroit. Alors, où est-ce qu'il va aller? Alors, je vais regarder combien de temps j'aurais mis. Ouais, une petite dizaine de minutes. Hein. Bon, vous voyez, c'est pas... Enfin, c'est le temps normal. Hein. 10 minutes, un quart d'heure. Quand on utilise une arme qui est... pour lequel le monstre en question est sensible, ça va assez vite en 10 minutes, un quart d'heure. Tiens, je vais lui mettre un piège, de toute façon il changera pas de zone. C'est ici qu'il vient se reposer normalement. Ah c'est juste... T'as regardé tous les insectes. Oh bah tiens, je vais foncer dedans et c'était fini quoi. J'aurais limite pu le tuer tout à l'heure, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour ce Giginox de foudre. Bah finalement, ça aurait été très très vite. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Ah non, mais c'est tranquille là. Je suis en train de dépecer. On peut pas gêner les gens comme ça quand ils dépecent. C'est pas possible, ça peut plus durer. Hop. Voilà, je vais me débarrasser de tout ça parce que je déteste les insectes, que ce soit dans le jeu ou en réalité, de toute façon. Donc, comme ça, c'est dit. Voilà, on n'en parle plus. En plus, c'est chiant ce son-là. Vous savez, quand ils battent leurs ailes, là, oh là, c'est détestable. T'as comment je raconte ma vie aujourd'hui? Je dis n'importe quoi. Bref, donc voilà pour cette quête. On va aller se faire la petite quête dans TK.
Qu'est-ce qu'il y aura d'autre à faire? De toute façon, ouais, il n'y aura pas grand-chose d'autre à faire. Hein. Éventuellement, ce que je peux faire vers la fin, c'est faire une petite visite de la toundra, histoire de remontrer les différents points de récolte et ce que ça ramène, tout simplement. Hein, histoire de compléter cette vidéo. Hop. Parce que là, au final, je pense qu'il y a un petit quart d'heure seulement qui est passé. Oh là, par contre, il y a du monde à qui parler. Bon, à la limite, tant mieux. Bon, par contre, on lit pas, comme d'hab. Il y a du monde à qui parler, mais on s'en fout de ce qu'il raconte. Je suis trop con. Hop, voilà. Niveau de Kayamba a augmenté. Ouais, lui, il ramasse rien, à mon avis. Il doit avoir un masque particulier qui fait qu'il ramasse rien. Alors, je voulais leur mettre des masques, d'ailleurs. Changer un petit peu leur masque. Je voulais lui mettre un masque de Mélinx. Alors, qu'est-ce que ça fait? Inspiré d'un Mélinx, le porteur attaque et vole, mais seulement à courte portée. Malgré une faible défense, le porteur cible des grands monstres. D'accord, bon, faible défense, c'est un petit peu dommage. Ah, d'accord, il n'y a même pas de compétence avec ça, par contre. Alors, changer de masque, celui-là, je voulais mettre faux féline. Celui-là, en fait, il utilise des bombes. Des petites bombes, des grandes bombes. Il est assez chiant, mais je trouve ça marrant, en fait. Parce que moi, j'aimais bien les félines des anciens Monster Hunter. Et donc, petit coup d'œil à ça. Voilà, Mélinx et Féline avec moi, au lieu d'avoir Chacha et Kayamba. C'est bien mieux. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien compris ce que tu racontes, mais c'est pas grave. Il y a énormément d'objets nouveaux. Et surtout des objets qui demandent des échanges à 6 étoiles, 5-6 étoiles très souvent. C'est assez énorme. Il y a même un fusil arbalète lourd. Apparemment. Enfin bref, pas mal de petits trucs à faire. Lui, non, il veut rien nous raconter. D'accord. Alors du coup, je suppose qu'on a débloqué déjà la quête urgente pour arriver au rang 8. Enfin, niveau 8 étoiles. Ce sera un Rathalos. Oh là là, mort de rire, quoi. Ouais, bah à la limite, vous savez quoi, regarde, on va faire rapidement cette... Ouais, il y a des quêtes qui ont été débloquées. D'accord, 3 Giganox, bon, tout ça, encore une fois, ce sera à faire... Enfin, je le ferai hors ligne. Je vais faire la quête des Anteka, là, et puis éventuellement, je peux me faire le Rathalos après avec une arme vraiment badass. Ouais, bah c'est parti. Hein. Les cornes d'Anteka. Je vais me faire le Rathalos juste après. Bon, par contre, il n'y aura pas vraiment d'explication, hein, c'est juste... J'ai presque envie de dire, c'est juste pour combler la... Pour combler la vidéo, parce que c'est vrai que c'est la première quête a été assez vite. Et puis comme ça, on jettera un œil en fin de vidéo aux quêtes qui nous attendent au niveau 8 étoiles. Parce que j'avoue que je les ai pas du tout en tête. Alors là, on doit chasser des Anteka pour leur enlever leurs cornes. Alors peut-être, c'est vrai que j'ai fait le con. Oh, encore que je suis même pas sûr. Je sais même pas s'ils peuvent être assommés les Anteka en fait. Je sais pas s'ils peuvent être assommés, mais ouais, peut-être utiliser un marteau. Donc ouais, petit conseil. Un marteau, une arme à impact, épée bouclier ou je ne sais quoi. Oh, bordel, il y a du monde. Ah, ils sont chiants ces monstres-là parce qu'ils arrêtent pas de courir un petit peu comme les Kelby en fait, tout simplement. Alors on peut ramasser aussi sur eux des pots de grande qualité. Qui peuvent être utilisés pour faire l'arc de Kelby, pour ceux qui se posent la question. Peut-être que certains ont déjà entendu parler de l'arc de Kelby, qui est un arc un petit peu cheaté, un petit peu trop puissant. Et voilà. Donc des pots de grande qualité pour débloquer cet arc. Voilà. Ouais, ça aurait peut-être été mieux avec une arme... Voilà, bon, une corne. Il y en aura 5 à ramasser, du coup, je sais même pas vraiment si je vais faire la quête du Rathalos, hein. Bon, on verra. De toute façon, si vous voyez que la vidéo dure une quarantaine de minutes, c'est que j'aurais fait le Rathalos. Mais c'est juste que là, c'est vrai que ça va être un petit peu long. Voilà, dans la zone du milieu, il y en a dans la première zone. Hop. Voilà. Allez, donnez-moi vos cornes, j'ai besoin de cornes. Deuxième corne, allez. Hop. Je pense que le Rathalos, après, là, je vais me faire... je vais me le faire à l'arc. Parce que... J'avais pensé éventuellement le faire au marteau, mais le problème, c'est que j'ai pas de bon marteau de foudre. Donc ça sert à rien. Et j'ai pas de bon marteau de dragon non plus.
J'ai hâte d'ailleurs de faire la Latreon pour avoir un marteau de dragon digne de ce nom. Enfin, j'adore leur bruit là quand ils crèvent. Allez go. Hop, corne dans tes 4, tiens c'est cool, j'en ai déjà eu 4 là. Si j'en ai une 5ème, je suis le plus heureux des hommes. Oh bordel quoi. Fus. Alors, peut-être là-bas. Je ne suis pas sûr. Ou sinon, il faut revenir encore une fois dans la zone du milieu. Ouais, bah ouais. C'est probablement ça, il faut revenir dans la zone du milieu. À mon avis, maintenant, ils auront repopé. Voilà. Il y en a 3 en plus. Si j'ai pas une corne là-dessus, vraiment que j'ai de la malchance. Hop, et voilà. Alors parfois, les Antekas, ils nous foncent un petit peu dessus. Je sais pas si on va avoir une course. Non, celui-là, il a l'air d'être tranquille. Il sautille, il gambade dans la neige. Oh, vas-y, une corne, quoi. Hop. Nickel. Allez, je t'en supplie, une corne, quoi. Oh, vas-y, quoi. Trop cheaté. Bon, c'est pas grave, trop cheaté, mais... J'espère que j'aurai au moins une corne là-bas. Oh, Kayamba, comment il se fait rouler dessus? Il est fou en même temps. Je sais pas pourquoi ça lui a pris comme ça d'aller attaquer des pauvres Bulfango. Hop. Ah, peau chaude, fais chier. Excusez-moi pour cette insulte. Donc il va falloir retourner là-bas. Du coup, l'horloge tourne. L'horloge tourne. Non, ça va. Je pense pas que j'ai commencé la vidéo depuis longtemps. J'avoue que je regarde pas ces derniers temps. C'est un truc de fou. Chaque fois que je fais une vidéo, je sais pas quand je commence. Et du coup, on commence vraiment à y aller à l'arrache. Hop. Un foie blanc. Vas-y, j'aurais tout eu, quoi. Peau chaude, peau grande qualité, des cornes. En tout cas, au moins, vous voyez tout ce que peuvent donner ce genre de monstres. C'est ça qui est l'avantage. Oh purée. J'en ai pas non plus quoi. Bon bah il faut que je retourne là-bas. Dans la zone du milieu encore. Putain c'est dingue ça. J'en ai eu 3 ou 4 à un moment. Non 3 d'affilée à un moment. Et là j'en ai plus aucune sur tout ce que j'ai flingué. Quand même assez dégueulasse. Bon ça va. Ils sont assez sympas quand même parce que ça repop très vite. Enfin je veux dire c'est pas genre il y en a qu'un seul qui repop une fois qu'on les a tués. Parfois c'est un peu comme ça. Et voilà une corne dans tes cas, je revérifie que j'en ai bien. Voilà, j'en ai bien 5. Allez, c'est parti, on va terminer la quête. Et puis, bah voilà, ouais, je pense que j'aurai largement le temps de me faire un Rathalos avec l'arc. J'ai même un arc de dragon, tiens, je vais prendre mon arc de dragon. Comme ça, ça va être assez énorme. Je vais prendre une armure de fou, hein. Enfin, je vais prendre vraiment un stuff de fou. De toute façon, le Rathalos, il a déjà été présenté dans des quêtes précédentes. Donc ça posera a priori pas de problème. Je rappelle juste au passage que ses sensibilités au Rathalos, c'est le dragon et la foudre. Et que son point le plus sensible, c'est clairement la tête. Voilà, le foie blanc au passage, ouais, c'est un objet qui génère de l'argent. Petite information au passage. Allez, allez. Faut que ça finisse, là. Ils sont plutôt classe, les deux, là. Avec leur petit masque de chaton. Je les aime bien maintenant. Je commence à bien les aimer en fait. Quand je les transforme en chat et puis voilà, je commence à bien les aimer. Alors je suppose qu'il y a des saloperies à ramasser ici. Alors peau de grande qualité, bah voilà. Encore une fois. Comme je vous ai dit, hein, c'est notamment pour faire des... Pour faire l'arc de Kelbi. Que j'utiliserai un de ces 4, hein, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Mais il est vraiment cheaté. Je vous expliquerai pourquoi au passage, à l'occasion. Là, pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc, bon, il n'y a personne qui veut nous parler au village, c'est parfait. Je vais pouvoir aller chercher direct mon stuff de porc. Alors, pour vous présenter un petit peu mon armure, alors c'est l'armure de Jinuga Stygien. Donc, il a sous-espèce du Jinuga. Alors, Jinuga, quand je dis Jinuga, c'est Zinogre. Hein. Zinogre, c'est le nom français, enfin, le nom européen. Occidental, même on va dire.
Et Jinuga, c'est le nom japonais, mais moi j'ai toujours eu l'habitude de l'appeler Jinuga, donc je l'appelle Jinuga. Voilà. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait le plaisir et j'ai oublié de ranger les items. Ah, je vais essayer de sortir un max de trucs. Tchac. Et voilà. Donc, cette armure est plutôt cool. L'arc, c'est pareil. Hein. C'est l'arc de Jinuga Stygia. C'est un arc de dragon. Ouais, je vais le montrer vite fait, qui s'appelle Paciencia Stygia. Stygienne. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est un nom espagnol ou je ne sais quoi. Qui a 312 en attaque et 140 en dragon. Au niveau de ses types de tirs, il a percé 3, rapide 4 et rapide 5. Dispersion 4 quand on a le talent munition, que j'ai d'ailleurs avec mon armure. Sinon, il peut utiliser l'enduit puissance, l'enduit poison. Et sinon, en ce qui concerne l'armure, enfin les talents notamment. Alors j'ai le talent récupération stamina comme d'habitude, puisque c'est avec mon talisman que je l'ai, comme tout comme défense. Ensuite, j'ai indemne, qui est en fait, je vais lire tout simplement la description. Talent augmentant l'attaque quand votre jauge de vie est pleine. Donc voilà. Vous verrez au passage que j'ai un petit truc sur le bras lorsque ma vie est pleine. Je vous montrerai. Ensuite, j'ai munitions. Donc ça augmente le nombre de munitions des fusils arbalètes ou sinon le niveau de charge des arcs. Ensuite, j'ai attaque dragon plus 1. Ça tombe bien, j'ai un arc de dragon, donc du coup ça a augmenté encore ma puissance. Et ensuite j'ai évasion plus 1 qui permet d'être invincible durant une roulade pendant un petit peu plus longtemps. Sinon j'ai restauré moins 1, bon ça c'est pas trop grave, on peut éventuellement l'annuler, mais bon là j'ai pas mis de décoration, c'est pas grave, on s'en fout. Donc c'est parti, on va se faire cette quête urgente. Quête urgente histoire d'être tranquille et puis comme ça la prochaine fois par contre, je ferai tout de même... le Jed Moran, hein, je le ferai, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que là, voilà, histoire de compléter cette vidéo, faire une petite quête, ça peut être sympa. Voilà, attaque masquée sur l'île. Alors, je sais pas s'il y aura d'autres monstres avec, mais c'est pas grave. Bah, c'est parti. Attendez. Comment je m'arrête juste avant d'appuyer, quoi. Je vais tout de même manger, histoire d'être tranquille. Parce qu'on sait jamais, il peut faire mal quand même. Des attaques de feu, je le rappelle, enfin c'est voilà, c'est boules de feu, faire attention. Moi j'ai pas énormément en défense de feu avec cette armure, j'ai seulement plus 5, ce qui est pas grand chose. Hop. Allez, here we go. Attaque masquée. Pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Voilà, alors vous avez vu là quand je suis arrivé dans la quête, là ça a fait ch'touing. En fait voilà, mon bras, en fait, vous voyez qu'il est rouge et noir, là il brille, et donc ça c'est quand j'ai toute ma vie. Il est comme ça et ça montre que mon attaque est un petit peu supérieure. D'ailleurs, je vais vous le montrer et vous le prouver. Normalement, mon arc a 312 en attaque. Et maintenant, grâce à ce talent, j'ai 354 en attaque. Ce qui est quand même un sacré paquet. Hop. Alors, on va aller chercher. Il est dans les zones, j'ai envie de dire, habituelles. Ça peut être ici ou ça peut être en zone 7 ou 8. 7 ou 8 assez souvent, d'ailleurs. Je sais pas s'il y aura d'autres monstres qui vont faire chier. J'espère que non. Enfin, surtout pas un David Joe. Hein. Lui, il est chiant. Faut absolument lui mettre une bombe de boost pour qu'il parte. Sinon, il est du genre... il est trop câlin, en fait. C'est ça le problème de David Joe. Il aime bien... il aime bien être avec les gens, comme ça, et se frotter à eux avec sa salive, là. Assez dégueulasse. Trop fort, Chacha, comment il a miaulé, quoi. Il a fait niaou. Alors, il est même pas là, quoi. D'accord, donc soit il m'a trollé, soit il est en zone 3. Je vais repartir par là. C'est vrai qu'il peut être un peu partout, hein, le salopard. C'est pour ça que ça peut être bien de prendre des... Bah, des... Ah bah tiens, il est là, voilà, c'est juste qu'il m'avait trollé. Hop. Hop. Ça me fait marrer quand il crie en l'air comme ça. C'est assez marrant. C'est marrant de se marrer en plus. Alors ne pas oublier encore une fois de viser bien la tête. Hein. Je vais donner vite quelques conseils. Purée. T'es sérieux là? Tu m'envoies une bombe à moi, quoi. T'es sérieux? Hop. Alors je sais pas combien de temps va durer cette quête, hein, mine de rien. Même si j'ai des équipements bas. Oh purée, d'accord. Même si j'ai des équipements badass, je sais pas si ça va durer longtemps ou pas.
J'espère pas plus d'un quart d'heure. Hop. Alors faire attention à chaque fois qu'il est en l'air, il faut pas charger un tir ou je ne sais quoi, il faut bien faire attention. Ah purée. Bon là par contre c'est un peu con parce que je me suis fait toucher bêtement et du coup en fait j'ai plus mon, vous savez, le talent indemne. Allez vite. Ah purée. Ça c'est un truc qui m'énerve dans le jeu. Oh genre. Un truc qui m'énerve dans le jeu, on met vraiment 1000 ans à consommer une potion. Ah purée, en plus ça remet même pas toute ma vie quoi. Alors je sais même pas si j'ai... Non, j'ai même pas de flash. D'accord, donc je vais en profiter. Hop, voilà, pour me soigner. Et me remettre bien. Comme ça, au moins j'ai vraiment un max de puissance. Voilà, quand il fait ça, c'est qu'il veut cracher une boule. Hein. Quand il reste en l'air comme ça pendant quelques temps, ne faites rien. Attendez qu'il vous envoie sa boule de feu. Alors ce que je peux faire aussi, c'est peut-être le marquer. Ah merde. Ah non, c'est bon. Il fait juste une petite, un petit coup de bec. Ouais, je vais juste le marquer, histoire d'être tranquille. Alors je peux lui mettre le poison. Hop, c'est ce que je vais faire. Ça lui fera toujours baisser un petit peu sa life. Wouhou! Alors il essaie de m'attraper avec ses griffes là. Salopio. Là. Ouh, il a pas aimé. Hop. Ça c'est ce que j'adore avec cet arc. C'est vrai que le tir rapide est plutôt sympa pour toucher les ennemis qui sont en l'air. Ah merde. Il est déjà fatigué. Bon, vous voyez que ça pourra peut-être aller assez vite. Hop. Ah, vraiment, ouais, vraiment les tirs dans la tête là. En plus, au dragon, quoi. Il doit vraiment pas apprécier. Hein. Par contre, je sais vraiment pas pourquoi ils nous mettent un Rathalos en quête urgente. Je suis sûr et certain qu'il y a quand même des quêtes bien plus intéressantes que ça. À moins que vraiment il y ait une surprise à la fin. Mais c'est quand même assez étrange que je comprends pas. Le plésiote la dernière fois, ok, mais là. Ils auraient pu nous mettre un nouveau monstre justement, parce que en rang 8, enfin en niveau 8 étoiles, il y aura probablement des nouveaux monstres. Donc ça pourrait être bien. Hop. Ah ouais, vraiment il aime pas, hein, vous voyez. Non mais t'es sérieux? Putain, je l'ai touché mais ça l'a pas touché quoi. Ça touche mais ça touche pas. Ils sont comme ça eux. Alors où est-ce qu'il va? Ouais il va par là, il va essayer de bouffer. Hein. Alors ce qui peut être bien c'est d'essayer de le... Essayer de le choper avant qu'il atterrisse. Ouais, ça va être trop tard. Par contre, ce qui est bien aussi à faire, c'est de mettre une bombe, par exemple. D'en mettre deux, même. Et de lui mettre ça dans sa face, quoi. Et ça, c'est plutôt bon, hein. Enfin, c'est bon pour nous, hein, pas pour lui. Ouais, j'ai cassé la bombe de mon pauvre Kayamba. Ouh là là. Ouh, oh non. Le pauvre Aptonaut. Oh, en plus c'était le bébé. Putain, franchement là. GG Kayambon. Hop. Ah merde. Ouais mais il est trop loin malheureusement. Hop, j'essaie de lui caler une flèche au passage. Ça n'a pas vraiment fait mal. Waouh. Oh purée, bah ouais forcément. Putain, je suis trop bête. Alors là, j'ai fait vraiment une connerie sans nom.
vite dans l'eau. Ah! Hop, boule de feu. Voilà, on laisse cracher sa boule de feu. Parfois, il peut en cracher une deuxième. Faut faire gaffe. Mais moi, bon, j'essaie de prendre des risques un petit peu quand même. Oui, je sais que tu aimes pas le dragon, monsieur Rathalos. Il est revénère, quoi. Hop. Essayez de fuir un petit peu. Parce que là, en plus, je suis tout seul. Hop. Ah oui, elle était belle. Elle était pas mal, celle-là aussi. Hop. Wouh! Ça, c'est pas passé loin. Attention! Hop! Roulade! Alors là, faut faire gaffe, parfois il crache une boule de feu là, juste avant de ratterrir. Bon, je crois qu'il prend cher quand même, mais j'ai envie de dire pas assez cher apparemment pour. Pas assez cher pour vraiment boiter déjà, il a l'air d'être encore bien. Ok, tu vas par là. Je te suivrai où tu iras. Jusqu'à la mort. Je sais pas s'il va encore bouffer, hein, c'est possible. Je vois qu'il met du temps à arriver. Ouais, il y a des chances qu'il va y encore bouffer. Hein. Hop. Ah bordel. Ah merde, il me tourne le dos. Il ne faut pas oublier non plus, hein, vous avez peut-être entendu là le petit son. Chaque fois que... Oh, cette bombe. À chaque fois qu'il va manger, il va... Il va lâcher un objet. Alors c'était une bombe Felvin en plus là qu'il a envoyé. Vous voyez qu'il a une espèce de fumée rose. Qui veut dire qu'apparemment il y a des chats qui vont venir l'attaquer, mais j'avoue que j'ai rarement vu des attaques de félines en fait. Enfin des attaques de mélinx du moins. Enfin mélinx ou féline, bah ouais, bah forcément. J'ai été bougé par la première et je pouvais pas esquiver. Donc regardez là, en fait il y a des mélinx qui sont dans ses pattes. Et qui vont l'attaquer. Mais bon, par contre ils y vont secure, hein. Regardez, ils vont vraiment à deux à l'heure. Tiens. Pour aller plus vite quand même. Alors je pense qu'il va aller en zone 7. Bon, ça a mis quand même une petite dizaine de minutes, mine de rien. Bon, l'arc est une arme assez sympa, mais c'est vrai que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus puissant. Même s'il faut pas non plus sous-estimer cette arme. Enfin, notamment quand on est en groupe, c'est encore mieux, parce que c'est vrai qu'on a le fait de pouvoir attaquer un petit peu plus souvent. N'est pas le cas ce n'est pas le cas quand on est seul. Ah, il a pas aimé la flèche que je lui ai envoyée dans la gueule là. Ah mon dieu, tiens, tu descends d'ici quoi. Et voilà, on n'en parle plus. Emballé, c'est pesé. Hop. Et donc c'est en effet pour ce Rathalos et donc de cette quête urgente pour passer aux quêtes 8 étoiles pardon. On s'approche tout doucement de la fin, hein. Bon, c'est vrai que j'ai éclipsé pas mal de quêtes du fait de leur inintéressantitude. J'ai inventé un mot. Et ouais, pourquoi pas moi? Bah ouais. Est-ce que qui doit-on être pour inventer des mots? Et donc, bah voilà, ouais, pas beaucoup de quêtes faites dans ces 7 étoiles. Il me semble que j'en ai fait, allez, combien? 2 J'en ai fait 2. Après, il y aura le Jen Moran dans la prochaine vidéo. Puis c'est tout. Après, il y a la quête urgente, qui est d'ailleurs considérée comme une quête de rang 8. Donc, ouais, voilà. Tranquillou. On y allait bien. Moi, je vais me faire les quelques petites quêtes qui restent en 7 étoiles en off. Histoire de tout compléter, parce que j'aimerais bien compléter vraiment toutes les quêtes du village.
Et puis bah voilà, dans la prochaine vidéo ce sera Jen Moran. Après est-ce qu'il y aura une quête, peut-être une quête de récolte 38, on va vérifier ça rapidement. Oups, non, faut pas que je ramasse ça là-dedans. Ok, ça c'est de la merde en boîte. Allez. Alors normalement je suppose qu'il y a des gens qui vont me parler là. Pendant que je vois mon gamepad qui est en train de mourir. Wow! Quel est le fuc? Ça c'est quoi ce masque? Pourquoi il y a un masque comme ça? Ce terrible masque ultime n'est plus que l'ombre de lui-même. Il n'a plus rien d'un ultime. Ah d'accord, ah c'était peut-être le masque qu'on a récupéré avec cette quête en fait. C'était pour ça qu'elle s'appelait le masque, je sais plus quoi. Là. Masque secret ou masque caché. D'accord, bon apparemment il va peut-être falloir le masque ultime obtenu. Donc à mon avis il va falloir l'améliorer. Hop, blablabla. Ok, niveau en plus. On va voir ce qu'il a à nous raconter le chef là. Enfin le fils du chef, pardon. Alors, masque piège, d'accord, donc ça c'est un nouveau masque également à faire, donc il faut une fosse piégée, Ponible Snarf Plus, et Fusium. Fusium c'est pareil, c'est du minerai à ramasser un petit peu partout, ben, notamment au volcan, vraiment, si vous cherchez du minerai, de toute façon, allez au volcan, ne cherchez pas ailleurs. Donc moi je vais le faire, j'ai de quoi le faire, et par contre j'ai toujours pas été chercher les plumes pour cet autre masque, mais c'est pas trop trop grave. Alors le chef du village, ouais c'est ça, blablabla. Bla, bla. Et toi, qu'est-ce que tu as à nous dire, beauté? Alors, le volcan... Ah bah tiens, un Lagia Cruz, bon ça... On... Encore une fois, tous les monstres qu'on a déjà rencontrés avant, je ne les ferai pas, ça sert à rien. Il faut tout simplement réécouter ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes, et puis bah, bien évidemment, augmenter vos armures. D'autant plus que maintenant, au rang, vous avez largement de quoi pouvoir vous faire des armes dont... qui auront pour lesquels les monstres seront sensibles. Donc n'oubliez pas de reconsulter voilà mes anciennes vidéos. Et puis ouais, ah ben, c'est un truc de fou, mais en fait ouais d'accord. Ici mais il n'y a rien de nouveau quoi. Mais quand je te dis rien, il n'y a rien quoi. Je fais comment moi? Je fais pas de quête de 8 étoiles en fait. En gros, ouais, les quêtes les plus intéressantes, c'est deux Duramboros. Chasser tous les grands monstres ici, histoire de varier un petit peu, et puis là. Mais après, tout le reste, c'est des monstres encore qu'on a déjà croisés. Alors, je sais pas comment je vais m'y prendre, je vais réfléchir, mais franchement, je crois que je vais quasiment pas faire de quête 8 étoiles. Hein. Si ce n'est, encore une fois, ces quêtes-là où il y a plusieurs monstres, histoire que ce soit un peu... que ça relève un petit peu le niveau, mais... Pff, mon Dieu que c'est pas intéressant. Mon Dieu que c'est pas intéressant. C'est vraiment en 9 étoiles où il y a vraiment des monstres nouveaux. Hein. Je me souviens qu'il y en a vraiment des nouveaux. Vous inquiétez pas, en 9 étoiles, il y aura vraiment de quoi s'amuser. Mais là... Enfin bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, dans la prochaine vidéo, je l'ai déjà dit, Jen Moran, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ah, foutez, on peut lui reparler. Je sais pas trop ce qu'elle avait à nous raconter, mais c'est pas grave. Bah voilà. C'est tout pour cette vidéo, et puis donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour du Jen Moran. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, et à plus.